Et voici le visage de la colère, du déni et de l'adolescence. C'est le petit matin et nos grands enfants sont tristes, évidemment, d'avoir perdu leurs beaux et doux parents dans la fleur de l'âge. Quelle horreur, quelle tristesse. Mais bon, eux, ils ont encore la vie devant eux, donc ils vont falloir avancer. Et Edelweiss va devoir s'occuper de tout le monde. En plus, qu'est-ce que tu manges? Un truc pourri, en fait. Je pense pas que ce soit l'idéal. Allez, tu vas faire la vaisselle, t'as aussi plein de trucs à faire déjà. T'as plein de trucs à faire, c'est abusé. Tu es le bord, adorable et tellement mignon. Bah, les garçons se ressemblent de ouf en fait. Hein. Je trouve qu'ils ont la même tête. Ils sont si mignons. Bon, au moins, je me dis, et les bords aura eu le temps de grandir en tant qu'enfant avant que ses parents ne meurent. Franchement, je pensais vraiment que je serais restée avec deux bambins. Finalement, ça sera un peu moins galère. Quoi. Oh, Glucine, Bichette. Ils iront pas à l'école aujourd'hui, ils vont sécher. Hein. Je pense que c'est logique, vu les circonstances. Même si le directeur appelle, eh ben, on lui dit. Voilà. On va lui faire trouver aussi un job. Parce que, bah, ok, ils ont 9000 simflouz, ce qui devrait largement suffire. Dans l'idée, je veux quand même qu'elle ait un travail, histoire que de la responsabiliser et de donner un peu plus de concret à la situation, quoi. Mais Glycine, ça y est, elle est de bonne humeur. Elle vient de jouer un peu avec son frère, elle est de bonne humeur, quoi. Mais t'es indigne, ma fille, indigne. Pour son petit boulot, qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire? Ah oui, elle peut faire pas mal de choses. Bon, des trucs qui payent. Elle va aller à l'école quand même, elle finit à 15h l'école. Elle est de fast-food, c'est plus logique. C'est plus logique, et puis ben, en espérant qu'elle puisse s'occuper des gamins, quoi. On va prendre ça.
On verra bien comment ça se passe. Maintenant, j'ai deux gamins qui vont bien. Ah, ça y est, elle redevient triste. Non, mais quand même, meuf... Oula, 1277 de factures. Oh la vache, ça fait mal ça. Mais bon, voilà, hein, t'es une grande fille, hein. Tu vas devoir assumer ça aussi, ma cocotte. En plus, il y a des trucs qui sont cassés, dont le clavier de maman et la radio. Donc, on va appeler le réparateur aussi. On ne travaille pas le lundi, mardi. Donc, elle travaillera le mercredi. Donc, en attendant, elle va faire un coup de boost sur ses études, hein, pour être sûre de ne pas louper... Ouais, elle n'avait pas cours aujourd'hui. Les gamins, ils ont séché. Mais ils ont le droit. Alors, on a elle qui pleure dans la baignoire. Et lui qui pleurait dans le lit. C'est fou ce qu'ils étaient beaux, quand même. Hein. C'est un beau couple, hein. Non mais regardez-moi ça, maintenant j'ai un gamin qui est joueur. Parce qu'il a joué dans... Il a fait... Attendez, il a complètement oublié ses parents? C'est une blague. Mais c'est... Mais genre, le garçon sans cœur, quoi. Frésia, il en a un à battre de ses parents. Ils sont morts? Ouais, oh bon. Ouais, ça va. Oh non, quel rat. Attends. Il y a Valérian qui a quand même envoyé un texto à sa fille. Pour lui dire toutes mes condoléances, je suis triste, machin et compagnie. Si tu veux, on peut aller au resto pour en parler. Valérian, c'est toi qui es mort, en fait. C'est chelou, c'est très chelou. Valérian, une fois de plus, harcèle ses enfants depuis l'au-delà, alors ça fait même pas 24 heures qu'il est mort. Bonjour ma chérie, c'est papa, quand vas-tu venir nous voir dans la mort? Ben, le plus tard possible en fait, j'ai envie de dire, la pauvre gamine. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu l'invites à suicider ou quoi? Je vais te voir demain, si tu venais maintenant. Non, je peux pas. Non, mais à un moment donné, c'est quoi ça? Attendez, il est pas content en plus, wesh. Soupir, je comprends. Tu es une jeune femme brillante et très occupée désormais. Je suppose que ma fille me ressemble, mais tu me manques. Je serai toujours là si tu as besoin de moi. Et tu es une petite fille. Qui pleure. Ton décès. Le jeu. À la boulette. Regardez-moi ce que c'est beau. Ce coucher de soleil à Tartosa. Alors que monsieur le réparateur est toujours là. Mais quoi? Mais non! Mais arrête Valérian! Mais il est chelou. Bon, toi t'es bugué en fait. Allez, ciao. J'espère que ça va pas nous coûter 1000 sinfous non plus. Hein. Oh! Coucou Tati! Tati Cam! Vrai Camélia, c'est difficile là. J'espère que tu seras quand même là pour ta nièce et tes neveux et nièces, que je veux dire, dans le soutien moral. Hein. Et elle prend son rôle très à cœur, elle va aider son petit frère à faire ses devoirs. La séance devoir pour tout le monde. Et Edelweiss aide Elebor. Et elle a eu un moodlet, n'a pas vu ses parents. Elle est triste, mais meuf, mais ils sont morts. Mais c'est terrible. C'est n'importe quoi les moodlets ici. Hein. D'ailleurs, Glycine, elle s'entend, mais genre de ouf avec Camélia. Genre c'est sa deuxième maman, quoi. Les ados peuvent aussi border les enfants. Ils peuvent pas les mettre au lit, mais ils peuvent les border. Encore une dernière à border. Voilà. Trois enfants au lit. Puis il y a les assiettes à débarrasser et la baignoire à laver. T'es pas prêt d'être couché. Et ça fait des rimes en « et ». Nettoyer, astiquer la baignoire pour que tes frères et sœurs la crados. On saurait qu'on pourrait repasser à la douche. C'est vrai. Minuit et demi, regarde un petit peu ce qu'il y a à la télé pour se divertir un peu pour après cette première dure journée d'adulte alors qu'elle est que en adolescente. Avant d'aller dormir. Elle a trouvé que c'était nul. Et elle va se coucher. Elle a juste remonté pour que ce soit dans le verre, en fait. Il est 6h, Glycine est déjà levée. Elle a faim. Elle va prendre son petit déjeuner. Oh non, il est beau, il m'a encore cassé les toilettes. Non. T'es chié, purée de pommes de terre Oh, t'es obligé d'appeler le service de réparation. En plus, il fait très beau aujourd'hui. On va pouvoir profiter de la plage. C'est l'heure de l'école pour les 4 enfants. La journée va être très rapide, hein. Puisque du coup, ils vont tous disparaître jusqu'à 15h. Bon courage à tous. Mais on est en hiver et demain, c'est Noël? Oh non! Oh, Noël sans leurs parents. Glauque as fuck. Et voilà, ils peuvent rentrer. Oula, bah dis donc, ils vont rentrer avec des copains. Le bal de promo approche. Bah ça va, tranquille, elle vient juste de commencer le lycée, hein. Bah rentrez les enfants, oui, parce que vous allez vous faire électrocutionner et ça va pas être sympa. Et le mec est toujours pas venu réparer les toilettes. C'est super, il va falloir leur rappeler. Et ils sont où leurs copains? Ça, Nicolas? Ah oui. Oh là, ouf, oh la vache, le look. Mais comme ils sont mignons et studieux, ces deux petits là. Incroyable. Je veux pas dire, mais les deux garçons ont oublié qu'ils avaient des parents décédés, hein. Ils en ont rien à foutre. Hé, attendez, sympa! Ce serait pas le fils de Camélia? Il y a moyen, hein, que ce soit le fils de Camélia. Ah, le mec est enfin arrivé quand même, hein. On a failli t'attendre, monsieur. Merci, monsieur réparateur. Au revoir, monsieur réparateur. À bientôt, monsieur réparateur. Pardon? Madame?
Mais... Qu'est-ce que c'est ça? Mais cassez-vous! Madame Simonet, cassez-vous de là! Ouais bah merci, au revoir, à jamais! Non mais la meuf là! Non mais oh, y'a pas de l'abus là! Comme n'importe quoi. Edelweiss, il va être minuit, je pense que tu peux peut-être mettre les petits au lit. Edelweiss, réveille-toi! Allez, on va coucher les enfants. Je vais les border, comme une bonne grande sœur que tu es. Oui, je sais, je sais. Et un petit bisou pour Frédia. Un petit bisou pour Elébor. Alors que la Tug glycine, prend un bain, alors qu'on lui a rien demandé. Allez, coquine. Et en plus, tu prends ton bain complètement habillé en robe, toi. T'as toute ton éducation à faire, hein, j'ai envie de dire. 1h du matin, peut enfin se poser, manger, se divertir. Et la télé vient de cramer! Mais quel enfer! On va encore devoir appeler le mec! Voilà, tu n'es plus endeuillé, regarde. Oh, c'est ton dernier pleur. Et juste après, elle va jouer dans son bain comme une... Comme si rien ne s'était passé, qu'aucun drame ne s'était déroulé dans cette maison. C'est n'importe quoi. Ah oui, j'avais oublié, c'est Noël. Wow, Glock Power. Regardez-moi les deux, là. Ça se passe bien, jour de Noël, hein, tranquille, hein. Ah bah, les trois, tiens, allez. Ils ont perdu leurs parents? Non, vous diriez ça, vous? Ouais bah, ça se voit pas, hein. Le sapin est quand même là. Et ils vont quand même le décorer. Allez, c'est parti. La petite déco du sapin. Dès le matin. Parti, on va mettre la petite guirlande dans le sapin. Alors du coup, je l'ai mis à la place du piano de Daphné. Et le piano, on l'a mis dans la chambre parce que pour l'instant, les enfants n'y vont pas. Waouh, c'est joli! Bravo! Allumez le sapin. Et pourquoi pas, vous allez chanter ensemble. C'était la petite chanson chorale de Noël. Bye les enfants en fleurs. Super! Et toi tu fais le con. Je suis pas. Ah si on peut. Ah mettre au lit. Ah on peut mettre au lit. Mais non, tu fais pas ça. Oh là là, petit con. Moi, bon, Edelweiss, j'ai envoyé les gamins à la plage. Oui, c'est jour de Noël, ils vont à la plage. Quoi, ils habitent à Tartosa en même temps. Tu vas avoir 5 minutes. Pas vraiment pour te reposer, mais pour nettoyer les toilettes qui sont dans un état pas possible depuis je ne sais combien de temps. Tu vas appeler aussi encore le réparateur. Et puis peut-être que quand tu pourras, tu iras les rejoindre à la plage. Voilà, ça s'amusait avec le sable. Pendant ce temps-là, ça se tait. Et puis... Elle a rejoint et on va chanter un petit peu, on va discuter, on va s'amuser, on va prendre l'air surtout. Hein. Ah, et ici, on tournera sur le pont d'Avignon, évidemment. Tiens, Camélia est à la maison. Ah bah, on va rentrer, on va aller l'accueillir quand même. En plus, elle a un cadeau pour nous, alors tant qu'à faire. C'est la course des enfants qui vont rentrer à la maison pour accueillir leur tati. Et c'est bien sympa. Oh bah, après papa, c'est maman hein, qui harcèle les gosses. On envisage de faire un bébé. Mais vous êtes mort! Mais comment vous pouvez faire un bébé? Vous êtes décédée! Vas-y, je suis trop curieuse. C'est n'importe quoi! Le jeu m'a rabouté, quoi. Oh oh! Camélia, tu nous as refait un bébé? Mais tu ne t'arrêtes plus? Tu es un utérus sur pattes, ma chère. Oh, elle offre un cadeau à Elébor. Bah, c'est ton chouchou? Et il a eu quoi comme cadeau? Une jardinière hydroponique. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, t'as vu, c'est un petit bébou. Hello, Coronsen, t'es tati. Edelweiss, il s'essaye à faire une bonne maîtresse de maison et à faire un grand repas pour Noël. On va voir si elle va réussir. Hein. Ah, ici, ça chante. Oh, Père Noël est là. Oh non, Camilla s'est barrée. Oh, le Père Noël est là. Il met des cadeaux. Et les bords, tu peux dire bonjour. Glycine également. Oh, bah, ma petite Edelweiss aussi, hein. Elle a demandé un cadeau, mon petit Elébor. Il a intérêt de Saint-Paul Périvert, parce que, je rappelle, vous savez, mais ils ont perdu leurs parents, donc... Ce serait vraiment pas sympa d'avoir des cadeaux de merde. En disant qu'ils n'ont pas été sages. Un violon pour enfant. Oh, c'est trop bien. Le grand repas est servi. Mais l'autre, il se servit avant qu'on fasse ding-ding le repas, quoi. Il veut du bon jambon, des bons haricots et des bonnes patates. Un cadeau pour Glycine. Alors, qu'est-ce que c'est? J'ai hâte de voir. Bon, elle a l'air de kiffer. C'est cool. Un kit de médecin. Oh, c'est sympa. Oh, merci, Père Noël. C'est maintenant au tour de Frésia d'avoir son cadeau. C'est sûr que ça va être un truc sympa qui peut lui servir en étant à l'adolescence parce qu'il va bientôt être ado, quoi. Le cochon de Charlotte. Je suis pas sûre. C'est l'heure d'avoir un cadeau pour Edelweiss. Alors, suspense. Eh ben, elle aime pas. Elle a pas été sage. Horrible, un cube du futur. Devrait être plus gentil. Elle vient de perdre ses parents. Elle va élever ses frères et sœurs. Franchement, si je m'écoutais, Père Hivert, tu serais... là, je t'électrocuterais, tu mourrais devant nous. Mais j'ai pas envie de leur infliger une nouvelle mort. Ça commence à la fatigue, là-dedans. Hein. Père Hivert,
crois que tu parles tout seul. Il est devenu fou. Ouais, il est fou. Tu parles à qui? Au dinosaure? Alors que Glycine va se coucher. On a encore le père hiver qui parle tout seul. Il me fait flipper. Allez, casse-toi, ça suffit. Allez, salut, au revoir, à la prochaine. Hein. Salut, au revoir. Au secours, il me fait peur. Ah non, c'est bon, il va prendre son avion. Moi, je pensais qu'il était en traîneau. Je pense qu'on nous a menti depuis le début. Allez, salut. Marie, en fleurs, pour une soirée pyjama. Mais ouais. Elle devait s'accepter l'invitation, doit maintenant trouver un moyen d'y aller. Elle peut demander l'autorisation ou tenter de sortir en espérant que personne ne se rende compte. Cliquer sur le sol. Non mais elle a plus de parents en fait, donc elle fait ce qu'elle veut. Elle va aller à la soirée pyjama, comme une grande fille, en laissant... Bon alors, la responsabilité de laisser ses petits frères et sœurs, elle s'en bat les reins là, elle pense à elle. Il est 6h du matin et Delvice n'est pas rentrée. En même temps, on se fait inviter à une soirée pyjama à presque 3h du matin, c'est plus une soirée pyjama. Hein. J'appelle ça une rêve partie moi. Elle va aller en cours et elle va devoir bosser aujourd'hui, son énergie est en berne. Ah bah tous les gamins vont à l'école et qu'elle est toujours pas rentrée. Elle est coincée là-bas, en fait c'est de la séquestration. Non, tu vas à l'école. Ah bah non, bah ça c'est... Ah, ça s'est annulé. Bon bah va pouvoir aller dormir du coup. C'est toujours ça de prix. Question manquée, et les bois ont presque fini son contrôle. Tu avoues ton erreur, évidemment. Oui, d'accord, elle va pas bien. Au bord de la crise, elle saute d'humeur. Et pas partir pendant des heures à ta soirée pyjama. Séquestration, bizarre rêve party. Hein. Ils sont déjà de retour de l'école. Et ils vont aller travailler. Leur devoir. Ah, tu feras aussi tes devoirs et tu te mettras au violon que le Père Noël t'a offert. Allez, on se lève et Delvice a des choses à faire. Bon, ça va, c'est pas aussi pire que je pensais quand même. Hein. Bon, ça a pas l'air de perturber les autres non plus. Il y a juste lui qui est gêné. Une petite danse sympa sur les tubes de l'été. Alors que tes parents te regardent. Ouais, je sais, c'est triste, mais bon, la vie continue. Hein. Bon, 23h les gamins, tout le monde au lit. Bonne nuit, repose-toi bien. Oula, ça commence dans une heure l'école, il va falloir se lever, tout le monde, ouais. Prendrais bien un peu de violon dès le matin, non? Ouais, bah non, je savais déjà votre réponse. Allez, à l'école les gosses, ça va être le réveillon du jour de l'an. Mais nous ici, il fait beau, donc en fait, on se croirait pas en hiver. Qu'est-ce que tu fais? Ah, là, elle fait un petit peu de yoga pour ce qu'elle est très tendue, la pauvre. Et puis, oublions pas qu'elle va aller bosser après. Hein, ah oui, ce que j'ai oublié de faire, c'est de préparer le gâteau pour l'anniversaire de ton frère. Allez, par contre, finis la bouffée, là. Et puis, après, t'iras bosser, ma belle. Oh, attends, mais c'est dégueulasse, t'en as mis partout. Voilà, quatre enfants laissés sans surveillance. Il peut rien se passer, hein. Ils sont sages, les Sims. Hein? Ils sont sages, non? Qu'est-ce que tu fais? Ah, elle est partie dans la chambre des parents pour faire ses devoirs. Peut-être un petit peu de nostalgie. Et elle va y se rendre du taf. Allez, on va lui faire le gâteau pour l'anniversaire de son frère. Bon, allez, ce sera pas le meilleur des anniversaires. Mais bon, il va falloir, quoi. Bon anniversaire, Frésia, entouré de tes frères et sœurs. Et Frésia est devenu un adolescent. J'arrive pas à voir s'il est beau, mais il a l'air sympathique. Je vais donc tirer au sort son aspiration pour le reste de sa vie. C'est parti, on va générer son aspiration. On ne suit pas les autres trucs. Ah! Mais non, mais c'est très drôle, ça. C'est très drôle parce que... Si c'est notre héritier, ça collera parfaitement, puisque la prochaine génération, il y aura des animaux. Du coup, il sera ami des animaux avec l'affection des animaux, c'est top! Animal du coup, ami des animaux, et il était pitre, et il sera en plus 1, 2 et 3, maladroit! Eh ben super! Oh! T'es sérieux? Et il serait pas un peu beau gosse? Quand même? Ah ouais, ouais, bon, on oublie la tenue, on oublie la coupe de cheveux. Évidemment, il sera relooké comme il faut par mes soins. Mais, dis donc, Frésia, ouais, il y a du potentiel. Alors que les plus petits sont déjà partis dormir. Et bien sûr, j'ai envoyé Frésia courir, comme d'habitude. Hein. J'adore faire courir mes ados. Disco d'ado à presque 1h du matin dans le salon. Sous le regard toujours aimant de leurs parents. Non, franchement, il est beau gosse. Et une bonne base, le petit. Hein. Et il a des beaux parents. Voilà, je suis contente quand même. Les deux, là, plutôt réussi. Hein. C'est bien, en tout cas, Deva, je suis fière de toi. T'as quand même porté ta petite famille à bras le corps. T'es crevé, t'as bien remonté. Tu vas quand même pisser. Et après, t'iras au dodo. Et comme ça, tu seras bien, bien, bien en pleine forme pour l'épisode prochain. Alors, il vous plaît, Frésia? Ne vous inquiétez pas, hein, il sera relooké pour le prochain épisode. Il sera passé entre mes mains expertes.
et il sera un beau gosse, un bel adolescent qui fera fondre toutes les filles de l'assistance. Allez, moi je vous remercie, en tout cas de m'avoir regardé jusqu'ici, le mot de la fin, c'est Fraise des bois. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de Destiny. Il y a beaucoup de i. Salut.